Le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Caïd et Colé sur la forme de la main. Le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Caïd et Colé sur la forme de la main. Toi qui es ce soir le vivant du Seigneur. Cela n'est pas en vain. Voici la grâce de Dieu. Le Seigneur te bénisse encore une fois. Nous allons procéder par la lecture. On va le lire en français là-bas. Et nous allons interpréter Arabe. En franc hébreu chapitre 3. J'aimerais bien que vous suiviez la lecture. Parce que la grande partie de ce que nous dirons au cours de cet enseignement, épuisé dans ces textes que nous avons lus. Quoique nous allons prendre aussi quelques écritures de Londres. Nous allons lire Hébreux chapitre 3. Et après, nous lirons aussi d'autres écritures. Et nous allons chanter un peu les cantiques de victoire, pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel. Nous lisons le verset 7. Hébreux chapitre 3, verset 7. Jusqu'à la fin, et puis on prend chapitre 4. C'est pourquoi Yangoana. Selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'en dircissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans les déserts, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et il vit mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Je gérai donc dans ma colère. Ils n'appelleront pas dans mon repos. Prenez garde, frère. Quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Okay. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus partisans de Christ, participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. L'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui,
Lelo, si vous attendez sa voix, ce qui boki mon bongo na ye, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Bino, bop, comme sa mité, manabino, ma cassité, kenze, loko la mokolo, batte le menatimbaï. Qui fit en effet, banan yamonde zalaki, ceux qui se révoltèrent après l'avoir attendu, aoyo batombo kela kinzambe, sima yakoyo kae koloba. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, sous la conduite de Moïse, et Zalaki Baenyo Sobabima Kinesi Pito Oyobakamba Makina Mose. Et contre qui Dieu fit irrité pendant 40 ans. Benikolo Nabanani Nzambe a tomboka Nibutu Kumine. Sinon contre ceux qui péchaient. Et Zalaki Nikola Bayo Bazalaki Kosumu Kanabisobe. Et dont les cadavres tombèrent dans les déserts. Et Nzambe a pomaki bango nanisobe. Et à qui jurait-il qu'il n'a prié pas dans son époux. Ben Nicolas Banani, mais il tombait à Katakinda et Bakokota la Bopelina. Et sinon, à ceux qui avaient désobéi, et Zalaki, Nicolas Baeolo, Yosobato Saki, Nzambete. Aussi voyons-nous qu'il n'est pas libre, qu'il n'est plus, qu'il n'est pire. Y entrer à cause de leur incrédulité. Et tant que tous autant à ma communion, tout le monde était ma coca qui cocotte à terre, l'icolo y a beaucoup pour qu'il n'a pas mon moteur de 15. Hébreux 4, premier verset. Prenons donc. Tomanga, nous sommes prêts pour la vie sur Tomang. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos existe encore. Oui, tu es la canne à Sala qui bisouette, tout le monde à la boupémie. Et Zalina, nous qui n'ont les noms n'a pas cassé n'a pas. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mon côté, Katinabino Bimalokola et Nassima. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'ailleurs. Ah, Sangomalamo et Akokota Namboke Nakabopel. Et le Pessame Lakabopel et le Pessame Libiso. Mais la parole qui leur fit annoncer ne servit de rien. Ne leur servit de rien. Iloba Oyo, Basapole Lakabangoba Kekokota Nabopel. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendaient. Pour nous qui avons crié, nous entrons dans les réponses. C'est là qu'il dit, je gérerai dans ma colère. Verset 6. Or, oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, le colon Zambé a bon ici été, ma soussou, ma compte à peine à mon père, il est là, et que c'est à qui, d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, Zambé aujourd'hui, à Dieu, Nakoloba, dans David si longtemps après, à mon encolada oui dit, Nicolomini Koleka, comme il l'est dit plus haut, l'olenge et l'oba nikuna nikolo, aujourd'hui si vous attendez sa voix, et non ce qui m'a dit mon bon gonaye, n'en dire si c'est pas invoqué. Ah, beaucoup mis à l'été maladie non ma cassité. Car si Josué leur y donnait les réponses, mais de ce qui yon soit appelé sa qui m'a dit mon père, il ne parlerait pas après cela d'un notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Jusqu'au verset 11. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses ailes. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ses repos. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous prenons Nombre 14. Prends seulement Nombre 14, le verset premier.
Nombre 14, premier verset. Le verset premier jusqu'au verset 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Libota mobimba, nasima ya koyoka sango oyo banongi bapesa ki bango pona mboka kanana, batomboli mongongo pe babandi kolela. Et le peuple pleura pendant la nuit. Benibote lela ki butu mobimba na lolenge bayebisa ki bango sango ya mboka wana. Les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Bemana Israël nyonso abanda ki koyima makolo ba mabe likolo ya Mose pe likolo na Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, misanga mobimba bana Israël ba yebisi Aaron na Mose. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ah, biso Seigneur ki atato kufa na mboka Égypte. Ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il allé dans ces pays? Nous a-t-il fait à... Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait-il aller dans ces pays? Bon ami Yahweh, à Bimisa Kibiso, Namokawana, où nous tomberons par l'épée. Bon ami Yahweh, Bimisa Kibiso, Namabiso, Namokawa, Pitoke, Kokwea. Où nos femmes et nos enfants et nos petits enfants deviendront une proie. Wapi basi peba na biso mike bakoko mabile ya banguna. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ça dit pas malam pour la biso tozo en Égypte. Et il se dit l'un à l'autre, peba lobani moko na mosusu. Nommons un chef et retournons en Égypte. Akambati soto songa en Égypte. Amen. Le verset 10. Le verset 10. Jusqu'au verset 11. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Libota mobimba. Na koyoka lile biso Yoshua. Na kalai mazai koye bisabango. Balobi yoteto bambabango mazo sakana. Lorsque la gloire de l'Éternel apparaît sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me mépriserait-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi? Malgré tous les produits que j'ai fait au milieu de lui. Atabika moi nyon soyo na sali kati na bango bazo di melanga kakate. Amen. Amen. Et le Seigneur ajoute la bénédiction à ses écritures. Amen. Tita eke kolo a bakiseli boli na matangi ototi botanga. Nous allons chanter un tout petit peu. Voyez ma maman. Nous allons aussi prier que au sein de la paix. Amen. Après avoir écouté la parole. Et bien si ma yakoyo kaliloba. Sur cette terre, j'ai ma pensée vers le ciel. Vers les pays. Vers le ciel, vers les pieds.
en ombre, je me vois environner. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Même si nos ennemis sont nombreux dans la marche, c'est toi qui nous rassure la marche, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, prenez courage. Je suis votre sauveur. Même dans la douleur, même dans l'angoisse, même dans la terreur, c'est toi qui nous rassure la marche. Même dans les peines, Seigneur, c'est toi qui es là. Console tout un chacun de nous. Parle-nous ce soir, ô Jésus. Nous sommes venus pour que tu nous parles. Il a dit qu'aujourd'hui, si nous écoutons ta voix, que nous ne puissions pas en dire
sur notre cœur. Et que nous t'aimons à bisser comme à quels étaient. Au nom de Jésus-Christ. La combo la Jésus. Sois avec nous. Zalan à bisser. Maîtrise la salle au nom de Jésus-Christ. Et si comme nous sommes à la yon à combo la Maîtrise la salle au nom de Jésus. Salom Obima et Pisa Melon à Maîtrise compris. Les esprits au nom de Jésus-Christ. Et si nous sommes à la yon et tout ça va ta gloire et ta gloire seule soit notre partage. Si quelqu'un mon a yon mot et Pisa Melabisso. Au nom de Jésus-Christ. La combo la Jésus. Nous avons ainsi prié. La voix est au Sapé. Demandant grâce. Amen. 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 Nous acclamons Jésus-Christ. Nous reconnaissons Jésus-Christ dans vos cœurs. C'est la joie du Seigneur et là, nous acclamons Jésus-Christ. C'est bien, c'est la paix, la vie, la vie, la vie, la vie, il est le Dieu grand. Azan Zambé mon aim. Il est le Dieu puissant. Azan Zambé Angouyanios. C'est lui qui fait les prodiges. C'est lui qui nous garde. Permet encore que nous soyons ici. Et nous écoutions la parole. Et afin que nous sachions comment nous conduire sur ce chemin. Parce que la promesse d'entrer dans les repos de Dieu subsiste encore. C'est pourquoi tu dois te fortifier. Si nous te prêchons, ce qui te c'est pour que ces choses quittent les livres. Et après que ma caboelle ou mon abou, enfin que ça soit une vie dans toi. Le paille est comme un bon mot et pas inali. Que tu sois vraiment la vie de Dieu écrite dans les Écritures. Yo dans la présence, bon mot et zambé, comment il n'a pas compris. Paul appelait les croyants une lettre. Parole à l'énaki. Bandini Mokanda. Il appelait les croyants des lettres. Abenaki Bandini que Bazami Kanda. Les lettres écrites par son ministère. Et Mokanda et Komami Nanzela Lotomonaï. Il prenait que ce qui était dans les livres. Yamane Kozaka et Komami Nanzela. Et il faisait en sorte que cela soit la vie dans les croyants. Et puis Yamane Kosale Kengweza la Bombo et Panamayo Bandini. Amen. Amen. Et le Seigneur te donne la capacité de saisir le message. Tu que la personne yakoyama donne l'entendement spirituel. Aucun homme, aucun sorcier, aucun esprit du monde des ténèbres. Molimo mokote ya mokili ya molimo. Il vient te voler la compréhension. Et à ébote la yo kososola. Que tu sois unitaire favorable. Yoza la mabele est bon pour la parole de Dieu. Pona l'inova en zambé. Parce que celui qui fait croître, c'est Dieu lui-même. Poko ya koli sa keza en zambé ye moko. Nous avions déjà commencé notre enseignement. Oso mandaki la kisinabiso. Sur les thèmes qui est là devant vous. Oyo na mamali kamboza li boso na bino. La promesse d'entrer dans les repos de Dieu subsiste encore. Il est tiré dans les livres aux Hébreux. Où le frère Paul, il est en train de parler aux frères en Christ. Il est en train de leur montrer comment la marche s'était passée là-bas avec Israël. Comment est-ce que les seigneurs, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, a commencé à leur faire marcher dans le désert. Mais il nous donne il fait un constat. Il montre une chose. Il dit parmi les gens qui étaient sortis sous la conduite de Moïse, parmi ces gens-là, Nakati Abatoana, il y a ceux-là qui ne furent pas agréables à Dieu. Et là, qui n'a pas tort, mais ce sont ma bonnette et pas une zambé. Parce qu'on se bénit sans zambé. Alors le Seigneur a fait tomber la cadavre dans le désert. Ils ne sont pas entrés là-bas dans le pays. C'est ce que le frère Paul est en train de nous dire. Mais il y a eu aussi certains parmi eux que le Seigneur avait gardé et les a fait entrer dans le pays sous la conduite de Josué. Mais la plupart d'entre eux étaient tombés dans le désert parce qu'ils avaient l'habitude de tenter les seigneurs malgré
qu'ils voyaient les prodiges que le Seigneur accomplissait au milieu d'eux. Mais ils avaient toujours l'habitude de parler en mal de Dieu. Ils avaient l'habitude de mépriser les prophètes de Dieu. Et jusqu'à ce qu'ils ont méprisé le pays des délices qui leur était promis. Alors le Seigneur a dit qu'ils n'entreront pas dans le pays. Le Seigneur a chiré par sa colère. Tous ces gens-là qui m'ont tenté des gens 10 fois, leur cadavre est tombé désert. Mais leurs enfants, pour qui ils ont dit qu'ils seront la proie des ennemis là-bas. C'est ces faibles enfants-là que moi je donnerai les pays. Mais là, leur père, leur cadavre tombera ici dans le désert. Parce qu'ils m'ont ils ont murmuré contre moi. Alors, dans ma colère qu'ils tomberont dans ce désert. J'avais posé une question le dimanche. À quoi ces choses nous est-il aujourd'hui? À quoi ces choses nous est-il aujourd'hui? Parce que c'était déjà passé. Le frère Paul dira, ce qui est arrivé à ces gens-là est arrivé pour nous servir d'instruction à nous. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Pour que nous n'ayons pas le mauvais désir qu'avaient eu ces gens-là. Dieu avait un objectif qu'il poursuivait.
sauvé. Dieu. Na boye zambe. Il a vu que le peuple ne comprenait pas le but pour lesquels. Pour lesquels ils les avaient fait marcher dans le désert. Oh wapi za madame ce qui va vous n'a pas. Je vous dis la vérité. Bon, na zambe, ça dit nous il avait un chemin raccourci entre l'Égypte et Cana. Et là, qui dans cela va pousser qu'on a Égypte et qu'on Cana. Mais le Seigneur les a fait passer par un long chemin. Parce qu'on a les disciples avant de cela, on a il les a fait traverser. C'était le signe pour les retirer. Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Parce que vous avez traversé la mer. La mer était déchirée pas par votre puissance en vous. Ils ont traversé. Ils se sont retrouvés de l'autre côté. Les eaux sont revenus à la normale. Mais c'est là englouti les Égyptiens. C'est là venir quoi? Quand ils vont regarder derrière, ils verront que là-bas il n'y a plus de chemin. Dieu voulait qu'ils ne puissent pas rentrer. Seigneur nous fera vainqueur. Et quand la colonne s'arrête, c'est leur taille qui est grande. Attends,
vainqueur. Il faut dire non. On ne saura pas. Lorsqu'ils ont dit ça, directement le peuple a commencé à pleurer. Que le Seigneur nous a menés ici dans le désert pour nous tuer. Il veut nous amener dans un pays où on va prendre nos femmes et on va tuer nos enfants. Ils ont parlé la main contre Moïse. Ils ont pris la décision. Ils disent nommons un chef. Retournons en Égypte. Il y avait un chef que Dieu avait donné à ce peuple-là. Mais eux-mêmes, ils ont dit, nommons un chef à nous. Mais pas le chef de Dieu. Moïse, lui, c'est comme si sa tête ne fonctionne plus bien. On lui a donné le rapport que là-bas, il y a des géants. Mais il faut toujours que nous puissions avancer. Je vous dis, si le peuple nomme un chef par lui-même, ils retourneront en Égypte. Si vous allez dans l'église, des gens que vous-même vous avez tapé ministre, vous allez retourner là-bas dans le monde. Les chefs hein, qui amènent les gens en Égypte, c'est le chef qui amène les gens dans Canaan, pardon. Il y a personne qui n'a pas lui est Caleb. Il y a Caleb. Quand le peuple parlait contre Moïse et Dieu, il dit non. Dieu, Zambé, il nous fera entrer dans ce pays. À propos de celui sur le Mouban, le Seigneur nous est favorable. Ce qui Zambé a mené les il nous fera entrer dans ce pays là. À propos de celui sur le Mouban, ces gens là, vous voyez comme des géants. Jusqu'à la fin, c'est seulement la grâce du Seigneur. Nous sommes sauvés par la grâce et nous entrerons au ciel par la grâce. Les obstacles, nous entrerons par la grâce de Dieu. Vous savez, ils ont regardé. Ils voulaient lapider Josué. Ils sont venus. Ils parlaient déjà de les lapider. Commencé à pleurer. Là, ils vont Josué venir me fortifier. Maman, il y a une solution. On nous avons le vaincre. On lui demande quelle est la solution. Il dit seulement la faveur de Dieu. Celui-ci. Il y a des gens là même quand tu nous parles de la faveur de Dieu. Parce que ces gens-là étaient les hommes de guerre. Les enfants d'Israël.
géant. Alors ils disent que c'est impossible. Mais pour allumer les lampes, il ne va pas les faire seulement comme ça. Il doit d'abord commencer par mettre de l'encens à l'intérieur. L'encens à l'intérieur. Et puis il allume les lampes. Et puis les lampes restent là toute la nuit sous la surveillance du sacrificateur. L'écriture seulement citée.
réalité dans la vie du croyant. Et dans la solo na kondima ya mwana. Tu vois vraiment que tu as laissé la publicité. Yo momi mali pesé kotiki bonduba. Tu as laissé la masturbation. Yo kotiki. Tu as laissé toutes ces choses là du monde. Yo tiki na kamari non c'est à motif. Parce que c'est dans le monde qu'on avait des tâches difficiles. Croyons, Seigneur, nous sentons dans les dépôts. Tu sens vraiment la haine du mal. La haine du mal. Ce qui est mal, tu sens vraiment la haine de monter dans les cœurs pour ça. Amertume. Elle était devenue Mara.
Juda. Il l'a fait entrer en Israël. Il a conduit ses gars dans Israël. Parce que Naomi véritable. Parce que Naomi a son nom. C'est Jésus Christ. Elle a dit, et puis elle s'est endormie à ses pieds. Mais il y a là,
C'était pas comme ça. Mais ça dit, on dit d'abord découvre ses pieds. On tombe les lambas. Avant la venue de Jésus, il
Le frère est mort. Le frère est mort.
que les gens souffrent ici. Mais trois épreuves. Mais c'est seulement les circonstances. Les attendez ma bakou. Les circonstances. Ma bakou elles ont les circonstances. Cette foi là se manifester. Nous sommes là quand dit maman est talisman. Mais tout le temps tu dis quoi c'est moi. Ils ont mis dans un cas. Ces gens là ne s'étaient pas entraînés. La vie batona. Pas le silence d'entraînement avec les lions. Daniel et Abadé Koyo de la terre qui sont dans la poutre à la poste. Ces gens-là, ils ne faisaient pas comme ça. C'était arrivé spontanément sur une situation et ils ont accepté. Il n'y a pas qui dans la poisse. Ils ont vu la puissance de la foi. La mère de Moïse. Maman, regardez l'enfant. Il a vu que l'enfant était beau. Ami, on a dit qu'il était beau. C'est qui est Pharaon? Avec Nani Fallo. Qui est Pharaon? Nani Fallo. On en a dit tout le monde. Qui est Pharaon? Nani Fallo Nani. Qui est Pharaon? Pharaon Nani. Qui est Pharaon? Nani. Mon enfant beau comme ça. Moi, on en a dit tout le monde. Je puisse donner un livret. Nani, c'est ma mot. Qui est Pharaon? Pharaon Nani. Le parent de Moïse là. Ma parent à Moïse. C'est nous. Et Nani So. Ils ont regardé leur enfant. Attends, Nani. Qui est Tongo Boy? Ils ont regardé leur évangile éternel. Attends, ça me donne un moment. Qui est Tongo Boy? Il est Tongo Boy. La beauté, c'est la perfection. La parole qui peut te rendre parfait. Quand tu regardes ta parole, tu écoutes ta parole, tu deviens comme Jésus. Les parents de Moïse aussi ont regardé leur enfant comme ça. Qui est Pharaon? Pharaon est là. Il est le papa de ton papa. À cause de moi, ils ont caché leur enfant. Quand ils ont vu qu'il ne pouvait plus le cacher, ils ont livré leur enfant en les laissant dans la mer, dans les nuits. Avec la grande soeur pour les surveiller. Les parents de Moïse, c'est aussi toi. Tu es les parents qui fissent la parole de Jésus. Vous allez, moi, là. Vous allez t'attendre à moi là. C'est pourquoi Paul dira. Mais moi, pour la dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et pas que nous sommes signés la mine dans le Banzengane Kébéli. Ah, des témoins. Banzengane Kébéli. Les témoins, ceux-là qui avaient la foi. Banzengane Kébéli, au Banzengane qui n'a pas dit. C'est pourquoi il dit. Moi, le n'en fait pas trois à l'erreur. Bino Boza, n'a ma coquille à vous ça, ma bête. N'en fait pas ces trois-là. Boza, n'a ma coquille à la terre, à vous ça, ma bête. Péché-là qui vous dérange. Débarrassez-vous de ça, commencez à courir. En regardant Jésus-Christ, on l'a maltraité. Il a fermé la bouche. On l'a insulté. Il a fermé la bouche. Amis, les péchés l'ont résisté. Les péchés l'ont résisté. Regardez ces gens-là. Regardez-moi ces péchés. Moi, je suis saint. Mais ils l'ont résisté. Il était là. Il regardait la rémunération. C'est pour toi quand tu cours. Ne regarde pas ton pasteur. Quand tu cours. Mais regarde pas d'abord ceux qui sont venus avant. Parce qu'ils aussi doivent apprendre quelque chose. Mais en courant, il regarde Jésus-Christ. C'est lui le consommateur de notre foi. À l'église, bien sûr, l'église, c'est Dieu pas pour prier, bien sûr, t'es pas dans ça. Pourquoi, mon ami, j'étais venu deux fois déjà, mais pour mon ami, je n'ai trouvé personne. N'a pas d'amis, moi, je n'ai pas trouvé le pasteur, qui pas trouvé les intercesseurs, n'a pas qui m'a sans vérité, tu t'es affaibli. Yo, mis les mains, non, regarde Jésus-Christ, t'as la yes. Si tu regardes Jésus, on t'a lié sur prier la nuit, à ça, à maintenant, ça va la boutou, il prie les jours, maintenant, ça va la boutou, à tout moment, alors, toi, si tu vas prier malgré qu'il n'y a personne. Il y a pour vos âmes, mais tu regardes Jésus. Dans vos autres, yes, faire le bien. Malgré que les gens l'insultaient. Attends, on va demander vos fils à elle. Ils voyaient la rémunération. Apparaît vos talents à l'ifouta. J'ai dit la foi que tu as. Il continue aux anneaux. Du commencement de ta marche. Jusqu'à la fin de ta marche. Qui ne soude à vos mêmes. Seulement la foi. Et seule la foi. Seule la foi. La Bible dit que les justes vivront par la foi. Prends si tu vivras par la foi. Malgré la réalité de ta vie, tu vivras par la foi. Malgré le combat
crois seulement. Dieu puissant. Ils étaient devant la mer rouge. Ils voient la mer. Mais Dieu, la foi. Dieu, la foi. La foi même. Dieu, l'a-t-il marché. Quand tu regardes comme ça, mais tu dis, est-ce que tu vois aussi comme moi? Il te dit, lui voit un chemin dans la mer. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? La mer, vous s'était séparé comment? Dieu a fait. Zambe a péri dans son nari. Il a soufflé dans ses narines. Il a péri dans son nari. Les eaux se sont partagées. Maïe et Kabouani. Combien cette écriture-là? Le temps maintenant, il commune. On lui parle le souffle de tes narines. Il a peine un zéro na yo. Il a soufflé par la bouche. Il a peine na monoko. Les eaux sont devenues. Maïe et Songi. Écoutez ce que dit l'écriture. T'as l'air de bien le dire. Exode. Au Canada. Quand Moïse est en train de chanter. T'as comment ça se fait? Exode 15. Au Canada, mon bibi, mon capo na zoni na. Il dit ceci. Allô, lui, oui. Le verset premier. Éternel Bosso. Lis. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mose, non, mais il s'en est là, il y a na Yahweh. Il dit, alors, je châterai à l'Éternel. Car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Asui na pou, à quoi qui pou d'après mon matin. Verset 7. Verset 7. Et par là, grandeur de ta majesté. Tu as renversé. À quoi ils ses adversaires. Battez les mains, Bangouna. Tu déchaînes ta colère. Au Tanisaka, Kandanayo. Elle les consigne comme du champ. Et Tumba Bangouna, quand la matite est Kauka. Au souffle de tes narines. Ah, non, mon pépé, la solo na yo, Zambé. Les os se sont morcelés. Oh, Mamaï et Kabouani se sont amoncelés. Mais un vent venu de l'Orient. Donc, on souffle les ténarines. Mon père, solo d'ailleurs. Les os se sont amoncelés. Ah, maman était Ngambo était. Les courants se sont dressés comme une mireille. Maman, il pénait comme il m'a cassé le corps à mire. Pendant ce bazar qu'on est là, ma petite pénale, maille, donc on est côté, on va mettre, on peut dire, on a solo en zambé. Dans un zambé, il y a ce salé là. Moi, je ne suis pas un doki. Continue, mon frère. Les flots se sont ici au milieu de la mer. Oh, verset 10. Verset 10. Tu as soufflé de ton haleine. Papi, vous ne pouvez pas mon okonayo. Qu'est-ce qui s'est passé? La mer les a couverts. Malobi maille soumis. Soupi malo. Mais pour nous, malobi un vent venu de l'Occident. Et où t'en as mon okonzami? Continue. Ils se sont enfoncés comme du plomb. Si nous, le corps en matière, on avait du plomb. Dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux? Éternel. La foi. Bon dimanche. Nous pleurons parfois. Parfois Dieu se moque de nous. Même Suzanne Bessé dans la mission. Des dieux. Mais qui meurent comme des hommes. Et ça nous a le col à bateau. Vraiment que Dieu ait pitié de nous. Qui nous augmente la foi. Parce qu'il n'aime pas les murmures. Je n'aime pas que tu te plaignes, surtout devant un homme. Quand tu te plaignes devant un homme, tu vas te bloquer encore davantage. Il n'aime pas ça. C'est ce que lui-même a dit. Il n'aime pas ça. Il va te bloquer. Il y a un problème. Surtout quand tu as un problème.
Dieu, que tout le monde te donne raison. Plains-toi devant Dieu. Dans ta chambre. Si tu as un problème, tu viens dire à un sacrificateur. Parce que Dieu aussi lui a donné cette mission-là comme berger. Mais si tu as des combats, tu as des problèmes. Plains-toi devant celui qui donne des solutions. Il ne faut pas compter sur le président de la République. Non. Les gens vous disaient. Nous avons des capacités illimitées. Si le Seigneur ne fait pas grâce, ses efforts sont vains. Il n'a pas compté sur le Seigneur. Ta foi doit être sur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Lève-toi. Prie à Dieu. Remercie le Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Dis-lui que j'ai écouté ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour l'enseignement de ce soir. Prie au nom de Jésus-Christ. Amen.